Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour fabriquer une bibliothèque en chaîne qui va servir de tête de lit et qui va servir aussi à ranger des DVD sur l'autre face. Donc il faut que les deux côtés soient jolis et les deux bouts. L'ensemble de la bibliothèque est en chaîne massif, seul le panneau arrière de la bibliothèque est en contreplaqué de chaîne pour plus de facilité et pour plus de stabilité dans le temps. Comme pour tout travail avec du bois massif, il faut commencer par déligner et mettre à longueur tous les éléments du meuble. À ce moment-là du projet, il ne faut pas oublier de laisser une surcote. Avec la raboteuse, je fais des petites passes en enlevant qu'un seul millimètre à chaque fois. Non pas que la machine n'est pas capable de plus, mais ça permet d'avoir un état de surface plus joli. J'ai été bien content de découvrir dans ces panneaux de chaîne qui n'étaient pas encore rabotés, qu'il y avait des beaux rayons médullaires un peu partout sur les panneaux. Ça donne beaucoup de caractère au meuble.
Donc avec cette grosse machine à dominos, pour faire les dominos à 45 degrés dans les biais là, la machine à son réglage minimum fait que je vais traverser la matière. Donc je mets une petite cale d'épaisseur pour pouvoir ne pas traverser la matière et travailler plus près du coin supérieur. Voilà, donc l'intérêt, c'était de pas passer à travers la matière et que ça se voit pas ici. Tiens, il est fendu celui-là. Voilà, pour aligner au mieux mes rayonnages, je les ai pris en sandwich pour tracer et ensuite je vais tracer la perpendiculaire à ça pour avoir mes emplacements de rayonnage. Je viens de m'acheter ces petits serre-joints baissés là, ils sont super chers mais super bien. Ça vaut 18 balles pièce. Merci d'avoir regardé ce film. L'assemblage et la finition de ce meuble, ça sera dans un prochain film. Allez, à ciao, bonsoir.